C'est que j'étais mi biche. Ouh, bonjour. On serait pas au Nigeria? J'ai l'impression qu'au Nigeria, on est tout le temps poursuivi par une bagnole de flic. C'est quoi ton projet de vie ici? Je vais venir là, habiter là, pour le projet de ma famille. Ils ont eu un peu d'Occident pour avoir de l'asphalte, mine de rien, Nigeria. Putain, Zano, putain. Ça va. Non, c'est trop joli pour la Roumanie. Oh, je vais m'en mordre les doigts, je crois. On va aller en Slovaquie. Mais je continue... Oh oui, c'était la Slovaquie. La Hongrie, ça va, on va dire que c'était Slovaque. C'est trop joli pour... Oh, ça sent Taïwan, ça. C'est propre et c'est chinois. La mer avec... Au nord. Ouais, au nord, c'est la Chine. Taichung. Y a pas d'île. C'est pas terrible, hein. Ça m'étonnerait que ce soit la Chine au nord directement comme ça, ça. Oh, Roma. C'est pas montagneux, Taipei. Taïwan, c'est pas très montagneux, Taïwan. Oh, et on serait pas à Hong Kong? Ah, c'était Hong Kong. On était juste un tout petit peu plus au nord. Enfin, un petit peu plus au nord. Beaucoup plus au nord. Enfin, non, ça va 17 km, ça va. Très bonne interrogation. Ça, c'est pas... Wink, wink, en A, comme ça. C'est pas Estonie, ça. 210, 220. Oh. Eh, on serait pas là. Il y a une station d'autobus. Ah, il y a une petite route sur le côté aussi. Oh, il y a la station d'autobus. On est là. Et Danemark, ça serait DN. Ouais, c'est ça, c'est Belgique. Pays-Bas. Ah non, non, c'était vraiment... Ah ouais, vraiment le trou du cul de la Belgique. Tu me donnes mon territoire? Non! Tu me donnes mon territoire? Non! Allez, je peux prendre là? Non! Allez, s'il te plaît, là, 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 juste là! Là, là, s'il te plaît, un tout petit peu! C'est quoi ce bordel? Ça sert à quoi? Non! T'auras pas! Non! C'est le Pays-Bas! Non! C'est quand même la Belgique! Là, là! Je m'en fous, j'y reste! Non, je fais une enclave! Non, mais au bout d'un moment, en fait, les gars, c'est débile! C'est débile! S'il vous plaît, faites un effort. Ah oui, en plus, on est à côté de Bassère-Nassau. Pour ceux qui connaissent pas, hein, Barle-Nassau et Bar-le-Duc. Cherchez des vidéos sur l'histoire de Barle-Nassau et Bar-le-Duc. Donc, Bar-le-Duc, c'est belge, Bar-Nassau, c'est pays-basien. Donc, dans la ville même, il y a des enclaves. Ah, donc, t'habites là, au 7... Ta porte d'entrée, elle est là, aux Pays-Bas. Merde, les impôts sont trop forts. Tu casses ta porte d'entrée, tu l'as fait ici en Belgique. Tu payes moins d'impôts. Je déconne pas, c'est vrai. T'as une entreprise ici? Ou deux? Selon les conventions collectives des travailleurs aux Pays-Bas, les travailleurs doivent arrêter à 17h. En Belgique, ils peuvent travailler jusqu'à 17h30. Donc t'as la moitié de l'entreprise qui s'en va et il y a un trait au milieu de l'entreprise. Je déconne pas, c'est vrai. Attends, on va se prendre 30 secondes. On va aller chercher ça. Surtout si c'est dans une maison à cheval sur la frontière. Vous voyez la douane ? Il suffit en effet de déplacer sa porte pour changer de résidence fiscale. Barle compte ainsi autant de commerces qu'une ville 6 fois plus grande. Des commerces et des banques, comme la Fémis Bank, qui en 1971 s'installe ici. Oui. C'est bien la maison où on a retrouvé un cadavre en 2008. Et d'ailleurs, vous vous demandez comment s'est finie cette histoire, mais patience, on y arrive. Avec son double comptoir, ses coffres cachés et ses passages secrets, la banque est très vite suspectée de pratiquer l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent de la drogue. Bah oui, parce qu'ils ont juste à faire 5 mètres, et ils sont dans un autre pays, et donc ils construisent une banque. C'est un bordel. Les Belges, vous avez vraiment un grain, vous avez vraiment un grain. Vous pensiez que Game of Thrones c'était compliqué? Putain, aller en Belgique. Oh oui. Oh oui, c'est joli. Oh, ça... Des montagnes comme ça, c'est Islande ou île Faroé. On était où? On était à Ness. Excellent. Voilà. Alors... Oh. Ouais. C'est pas un mot, je crois que c'est juste l'ordre de l'alphabet.
T-D-E-F-G-H-I-J-K. Ah bah y'a pas de J. Ah non, c'est peut-être un mot alors. T'habites où à Zdlevdjik? Quoi? C'est quoi ce connerie? Prendre d'hors sens, on est hors sens. Hop. 1,8 km. Oh, je suis le plus proche, dis donc. Et pour que ça soit... Que ça soit tout blanc, tout moche en construction, j'ai envie de dire du côté de Doha. 18 km. Assez content de moi. Pourquoi t'es à l'envers? Putain, mais mec, t'avais qu'un job pour ta pub, c'est quoi ce bordel? Ah, regardez ça! Notre copain, la voiture de flic, on est au Nigeria. Ah putain, on était tellement haut, on était où? On dirait un peu les routes serbes. Sauf que c'est pas très montagneux, hein, la Serbie, hein, sauf le sud de la Serbie. Mais par contre, le Monténégro, c'est très montagneux. Donc, est-ce qu'on serait pas dans les grosses montagnes du Monténégro? Ou même de l'Albanie, on remarque. L'Albanie, c'est extrêmement montagneux aussi. Et si on serait en Slovaquie, dans les montagnes? Ou en Slovénie? Putain, si on était à Monténégro, je vais me frapper une couille. Putain, on était au Monténégro. Elle est où ma couille, là? Toujours se fier à son putain de premier instinct, je l'ai dit 15 milliards de fois. Ça m'a coûté 1000 points, facile. Putain, c'est tellement bizarre. Oh. Je sais pas. C'est pas quelque part en Slovaquie. Autriche. Ouh. 40 km. Il y a un slow. Il y a des bancs. Rouillés. Il y a des pistes cyclables. Il y a des fleurs en bord de route. C'est une voie relativement large. Du côté de là, Birmingham. Non, non, non. Oh putain. Oh merde, on était où? Oh oui! 49 km. C'est le Portugal, ça. Santa Maria da Feria, Vila Nova de Gaia. Ah, Vila Nova de Gaia, je sais où c'est. C'est au nord ou au sud? J'ai un gros doute. J'y suis allé. Santa Maria da Feria, ouais, c'est ça. C'est... Et Vila Nova de Gaia, c'est à côté de Portos. Qui est dans une semaine au Portugal. Ah, c'est trop bien. Franchement, si t'as l'occasion, moi, un des trucs que je kiffe le plus au Portugal, et à chaque fois que j'y vais, je le visite. Regarde, j'ai mis des petits cœurs partout. J'adore cette ville. Le monastère d'Alcobaça est gigantesque, il est magnifique. Mais. Là, c'est tout le truc touristique. Et là, t'as une petite ruelle qui est beaucoup moins touristique. Et dans cette petite ruelle qui est beaucoup moins touristique, il y a le Pratos. Il paye vraiment pas de mine, hein, dans l'entrée. Mais c'est un des meilleurs restaurants que j'ai pu bouffer de ma vie. Il est incroyable. Notamment ça. Un tomahawk enrichi. Alors, 24 carats à déguster à deux. Incroyable. Chaque année que j'y vais, je me fais ça. Ouais, tu... Ouais. Même dans un désert où il n'y a aucun problème, ils arrivent à être dégueulasses comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'il y ait des associations qui viennent nettoyer à leur place. Qu'est-ce que ça leur coûte de juste... Enfin, ils vivent là. Ils n'ont pas de blanc, ils n'ont pas d'occident, ils sont entre eux. Donc il peut pas dire que on les fait chier, enfin, au bout d'un moment. Ça me dit pareil, ma femme. Oh non, t'as déjà fini, putain, non, mais non. Bon, bah je vais lui faire la vaisselle. Toujours, à chaque fois. Tu as ça, Pays-Bas. Là, je vous l'ai dit, c'est Pays-Bas. Ah oui, 2 minutes. Mais 2 minutes, c'est long finalement. À 1:30, on va s'y habituer. Comme ça, on en fait plus, en fait. 2 minutes, ça fait quand même 10 minutes par partie, ça fait 3 parties. À 1:30, on en fait 4. C'est un truc que je devrais demander à ma femme. Est-ce que tu préfères 4 fois 2 minutes ou 6 fois 1:30? Messieurs, je crois que j'ai un life hack, comme on appelle, à proposer à vos femmes. Bef ton cas de avec une CCD sous le S
C'est quoi, c'est roumain, non? Eh. Vous ressemblez à quoi, vous? Oh, ça, ça sent le... Oh, vite, 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 vite! L'Estonie! Du côté de Yuri. Oui! Ah! Viens visiter la Pologne aussi. Clinica Physiotherapia Stomatologia Prothetic Detective. Ah, même détective, ils mettent un W. Ils kiffent les W, hein, la Pologne. C'est cousin polonais si vous êtes là. Ici, vous avez fait le W. C'est juste pour péter les scores au Scrabble, c'est ça? C'est quoi cette formation rocheuse, là? Si, si, on est en Mongolie, c'est forcé. Putain, on était au Canada. Aux États-Unis. Au Canada. On était à... Westfall, putain, mais il était là, le Westfall, quand le rang est tombé. Ben voilà. Ben voilà. Maintenant, on sait où il était. Putain, c'est trop petit, je vois rien. Ah, par contre, putain, il y a des saunas verts. Zduben, Zdurbel. Bon. Moi, je pars sur l'Autriche, à côté de la Suisse. Oui. Ah, il a un ordinateur HP, il a un iPad, il a une imprimante. L'eau comme London. Il y a plein de trucs là. Bon, ça va, c'était bien Londres. Enfin, c'était bien à côté.